Je n'ai jamais voulu peindre de ma vie. J'aimais l'art, mais je ne voulais pas être artiste. Un beau jour, je tombe sur un atelier de Marianne Léonard à Boulogne-Billancourt. Et là-bas, je rencontre Alix de la Source, qui est spécialiste du 17e, 18e. Et depuis, je n'ai pas lâché la peinture. Pendant 10 ans, Alix et moi, on a travaillé ensemble. Elle m'a formée. On a copié les grands maîtres. Et 10 ans après, donc, je me suis lancée toute seule. Ma première solo exposition a été chez Pastor à Monaco. J'ai continué avec Hymne à la vie. J'ai travaillé avec Pierre-Alain Chalier, j'ai travaillé avec le groupe Richemont, j'ai travaillé avec Hubert Conrad. Puis quelques années après, je sentais que j'étais prête à travailler l'abstrait. J'ai voulu peindre la musique. J'ai fait une série d'opéras. J'ai retranscrit la musique en peinture, comme j'ai toujours peint en musique. Et après ça, j'ai travaillé sur Betty Boop, parce que je trouve que nous sommes à mi-chemin entre le virtuel et le réel. Je trouve qu'il y a une perte de repères. Et donc je me suis approprié l'image de Betty Boop, qui est une image marketing. J'ai travaillé pendant 3 ou 4 ans sur l'être et le paraître. Par la suite, il y avait un retour aux racines, comme on dit, et là, j'ai travaillé sur le tarbouche, qui est un emblème masculin, donc je m'en suis appropriée et j'en ai fait un emblème féminin. Actuellement, je travaille sur le trash chic ou le trash à l'épreuve du beau. Je connais connaissance des arts bel et bien parce que je vais souvent aux expos et c'est la revue qui m'interpelle le plus. Un beau jour, je tombe sur Eleanor de Tolède et il y a quelque chose qui m'a touchée en elle. C'est ce regard. On dirait qu'elle porte le poids de la condition féminine. J'ai réinterprété la couverture de connaissance des arts et donc j'en ai fait une toile, sauf que je n'ai pas voulu écrire quoi que ce soit. J'ai juste mis le code-barre. J'ai effacé les mots, j'ai laissé les carrés orange, parce que pour moi, le discours actuellement est creux. C'est l'ère de la vitesse, de l'instantané, du junk, du trash. Je trouve que les mots ont des limites, et c'est là où l'art commence, quand les mots n'ont plus rien à dire. Oui. Il fait partie de la collection Hymne à la vie, qui est ma première collection. Et je passais par un moment assez, pas macabre, mais... Douloureux. Douloureux, scabreux. Et donc, Il y a une incarnation réelle dans le vivant, dans ton pinceau. C'est-à-dire qu'il y a le même mouvement entre ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu éprouves, et ce que tu vas... mettre en forme sur des toiles. Il y a quelque chose de l'ordre d'une continuité, si bien que c'est l'engagement de tout un être et de la vie elle-même que tu essaies de retracer dans tes œuvres. À travers le corps de la femme, je dirais. Donc c'est vraiment une élaboration, en tout cas un dévoilement de cet être féminin que tu ne cesses d'explorer à travers toutes les époques et quantités de thématiques différentes. Le tarbouche, le trash, on retrouve l'élément féminin sous toutes ses coutures, si je puis dire. Betty Boop, même dans les abstraits, en fait. Et dans certains abstraits, on retrouve le corps, une forme féminine. Toujours. Il y a toujours le féminin et le sensuel. Justement, je voulais parler de la sensualité, parce qu'on parle là du féminin, parfois même un peu douloureux. Ouais. On a parlé de la vie et peut-être de la maternité, à l'exemple de ce tableau qui est derrière nous. Oui, qui est pour moi un tableau très important. En fait, je me suis inspirée du tableau de la croix, La liberté retrouvée, il me semble, le titre. Et là, je l'ai fait poser avec les tarbouches. Et les tarbouches, actuellement, dans ce tableau-là, elles portent la vie. C'est la femme guerrière qui porte la vie. Et ce sont des plaisirs démodés parce que la femme a déjà gagné la bataille. Contre qui? Non, contre la vie. Je dirais. Contre et pour?
contre et pour la vie et non pas par rapport à l'homme. Je n'aime pas ça parce que je ne suis pas féministe. Pour moi, l'homme et la femme sont complémentaires. Tu parlais d'hymne à la vie. Ouais. Je me souviens bien, lors de cette première exposition, où j'étais tombée sous le charme absolu d'une toile. La Danaïde. Qui était la Danaïde, que j'aime toujours autant. Ouais. Il y avait la Danaïde, il y avait Hymne à la vie aussi, hein, qui est ce tableau. Il y avait Origine. Origine, oui. Oui, qui est ce tableau qui est si fort, qui reprend donc. Le thème de Courbet. Voilà, sur cette nudité du corps féminin. Oui, Courbet a. En fait, le titre de Courbet, c'était Origine de la vie, non? L'origine du monde. L'origine du monde. Oui, voilà. Et voilà. Donc, moi, en fait, c'est drôle parce que avant de faire tout corps, j'ai commencé par l'origine de toute chose. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas dit l'origine du monde. J'ai appelé juste origine, un nom majuscule et un S. Parce que pour moi, c'est l'origine de toute chose. Voilà. Alors, justement, c'est à partir de là que j'ai eu l'idée d'un nouveau concept. Ouais. Alors, il n'y a pas de prétention là-dedans. C'était juste que je voulais rendre compte avec exactitude et précision de ta volonté, de ce que tu désires le plus mettre en scène à travers tes œuvres, et ce qui fait ta patte, et ce qui fait ton identité. Puis en cherchant autour, je me suis rendu compte que d'autres avaient le même regard que toi. Ce courant-là, je l'ai appelé le contre-réalisme. Oui. Qu'est-ce que c'est que le contre-réalisme ? C'est ce pied de nez au réalisme, c'est cette continuité du réalisme, lors duquel, à travers une œuvre, on flirte avec le réel, oui. On s'en rapproche, on est presque dans l'hyper-réalisme, sans en être totalement. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'il y a une quantité de détails dans tes corps, notamment, où on a l'impression qu'on est totalement dans le réalisme, mais quand on s'approche de ces œuvres, on voit à quel point elles sont démesurées, elles sont fausses dans les proportions. Exact. Ou alors il y a toujours quelque chose comme dans la Danaïde. Exact. Que ce soit dans les oreilles, tu te souviens, c'est très bizarre. Oui, dans la fente du dos, en fait. Oui, dans la fente du dos, dans la quantité, dans les proportions. Enfin, tout est somme toute disproportionné, alors qu'à l'œil, on a l'impression que tout est harmonieux. Exact. Et c'est ça le contre-réalisme, c'est je suis contre le réel, tout contre, on pourrait dire, pour s'amuser avec cette phrase-là de Guitry, et qui a un flirt avec le réalisme, ou le réel, pour mieux le faire voir, pour mieux le donner à voir. Et c'est une manière aussi de dénoncer l'ère contemporaine. James Ensor, le peintre, il a toute sa peinture et il est accompagné de masques, et en fait, c'est tout à fait ça, en fait. Parce que même le selfie, c'est quoi ? C'est une mise en scène de l'être, mais ce n'est pas du tout... À la différence d'un autoportrait d'un artiste, l'artiste se livre à travers son autoportrait, il se livre, il envoie une image sincère de lui-même, alors que là, dans le selfie, ce sont des mises en scène, et c'est ça la différence, c'est toute la différence. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a une forme de dénonciation, de moquerie de l'ère contemporaine dans ce que tu fais, notamment dans ta dernière exposition, ou aussi ça invite à re-questionner la place de la femme. Dans le trash. Ouais. Ouais. Oui. Quelle place tu lui donnes aujourd'hui ? Je crois que la place que je donne à la femme actuelle n'est plus la place que je donnais à la femme avant. C'est une femme faite de toutes pièces, en fait. Ce n'est pas la femme. La femme avec F majuscule. Elle est faite de toutes pièces de quoi ? Dans le sens que ce n'est pas la femme dans son être, ce n'est pas un être véridique, c'est une image, voilà. Je dirais que c'est une image, je parle d'image là, et non pas de la femme avec un F majuscule. Donc tu as l'impression que l'être féminin a perdu dans l'époque hypermoderne au détriment de son essence. Exact. Et qu'elle est souvent trop réduite à une représentation d'elle-même. Exact. Et à une image d'elle-même. Exact. Et c'est surtout dans le selfie qui est un des grands exemples de on est dans l'image et on n'est plus dans l'être.